Tac. Ça manque d'éclairage ici. Ça éclaire pas assez en haut. Tant pis. Eh ben, bonsoir pour le peuple et non pas un petit yosh. Et re-bienvenue ou bienvenue de chez Bienvenue sur cette continuité de stream de Zelda Breath of the Wild épisode 4. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Donc, j'avance un peu plus sur la trame principale pour comprendre qu'une femme m'avait délivré un message pour aller voir une certaine scientifique qui me donnerait des capacités supplémentaires pour ma tablette Sheikah, donc ce que j'ai fait. Et j'ai eu droit à trois nouvelles fonctions, donc on a eu droit au bestiaire, à l'appareil photo et à 12 souvenirs que Zelda avait fait avec Link et que j'ai pu voir un dans toute la zone, par pur hasard surtout. Et donc ben là je vais continuer un peu ce qu'il faut faire, donc je dois retourner voir Inpa pour lui dire que ça y est, j'ai eu ce qu'il faut, et normalement si je dis plus de bêtises voilà, il fallait que je trouve un des endroits et que je devais revenir voir Inpa pour avoir la confirmation que j'ai revu un des souvenirs. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu en nouveauté? Alors, comme vous pouvez le voir, je porte pas la même tunique que d'habitude. C'est parce que, en fait, hier soir, je n'ai pas streamé, mais je me suis connecté vite fait sur la console pour faire mes posts d'Amiibo qui sont disponibles qu'une fois toutes les 24 heures. Et par chance, eh ben, j'ai eu la fameuse tenue de Link de Twilight Princess, qui est juste là, la tenue du crépuscule. Donc voilà. Je suis plutôt assez content, donc au moins, il reste très fidèle. Au jeu et tout, donc ça va, c'est plutôt cool. Je suis assez content. grande nouveauté, ben, j'ai fini mon travail et je suis parti directement à une boutique pour acheter deux amiibo supplémentaires. Alors j'ai acheté la Zelda de Wind Waker. Bon, je pense pas qu'on va avoir grand chose. Non, malheureusement. Il faut que j'essaye de voir si je peux pas essayer de combiner avec. Ouais. Voir si je peux pas voir avec ça et voir depuis le dessus ou comme ça, c'est pas évident. Elle est là, la caméra. Tac, voilà. J'ai pris Zelda de Twilight Princess et pourquoi j'ai Twilight Princess? Non, de Wind Waker, excusez-moi, je me suis trompé. Et j'ai pris le Link Cartoon aussi. Putain, je vois rien. Ah, on voit rien. Ah, j'ai un très mauvais éclairage, c'est chiant. Voilà, et le Link Cartoon, bon je sais pas si on pourra le voir bien, avec la baguette du vent. Bon, désolé pour l'éclairage de merde. Donc voilà, c'est les deux nouveaux amiibo que j'ai achetés. Et que je vais tester au plus vite. Alors, tac. Voilà pour le son. Donc voilà. Donc on va pouvoir les tester pour savoir qu'est-ce que je vais gagner dans le jeu. Donc le module Amiibo il est là, on le déclenche. Alors je vais commencer par le Link de Breath of the Wild pour savoir qu'est-ce que je vais gagner. Alors de la viande, du radar moi pour monter la défense. Une carpe, ok, perche, venaison, venaison, et on va ouvrir le coffre. Qu'est-ce que j'ai dedans? 5 flèches de feu, ok, ça c'est fait. Ensuite, le Link de Smash Bros. J'ai eu Ipona, à nouveau. Yes! Ça c'est cool. De nouveau Ipona, ça tue, je vais pouvoir l'enregistrer. Et maintenant, autour de Link Cartoon. Oh, il n'y a que des poissons. Ah, une truite volt, ok, permet de supporter l'électricité. Alors, on va ouvrir ce coffre et j'ai 5 flèches de feu. Bon, bah, ça en fait 10. Maintenant, autour de la princesse Zelda de Wind Waker. Qu'est-ce que j'aurais gagné? Fleur armo, ok. Des herbes, des herbes, des herbes, des herbes. On ouvre le coffre.
Gemnox, certains pensent que cet étrange minerai qui brille d'une lueur bleutée quand vient la nuit serait la manifestation d'âmes défuntes. Il servirait à la confection d'habits spéciaux. Intéressant. Bon, bah, j'ai Epona, c'est cool ça. On va la calmer. Et on va essayer de la mettre dans un relais. Alors, par contre, mon relais le plus proche, où est-il? Relais de là. Wow. Bon, bah, let's go. Allez, c'est parti. Putain, moi qui l'avais déjà eu il y a 2 jours, je pensais pouvoir me rater. Et ben je l'ai eu à nouveau, j'ai de la chance en fait. J'ai de la chance, j'ai Epona quoi. Putain, je suis assez content, hein. Je vais avoir un très bon canasson. Et Epona et Link, le fameux duo. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de l'énerver facilement. Même en calmant, il n'y a pas le petit effet rouge sur le personnage. Et peut-être, pardon, j'aurais bien voulu trouver un éclairage beaucoup plus intéressant. Réfléchissons. Oh, oh, oh. Calme-toi. Bon, attendez 2 petites secondes. Je vais essayer de voir pour essayer d'avoir un éclairage potable. Hop là, je reviens. C'est de voir si ça va marcher avec ceci. Je vais juste un câble. Désolé, mais je cherche un câble. Vous allez voir que le mec il est pas trop goodies, hein, voilà. J'ai acheté ces petites lampes Triforce, bon là vous n'avez pas grand chose. Mais en la branchant, ça devrait le faire. J'espère. Voilà comme elle est. Et encore, je sais même pas si on peut voir. Même si j'éteins peut-être ma lumière principale, je pense pas qu'on aurait un grand éclairage. Ou alors l'éclairage on l'a, mais il faut que je reste debout. Merde. Si je me mets avec ma chaise. Et là, parce que là, comme ça, tac. J'avoue, ça fait pas folichon. Non, ça fait pas trop. Bon, tant pis. Non, bon bah. Tant pis, vous aurez vu ma lampe au moins. Bon, on va rester comme ça et au pire, ben, je mets au plus haut. Voilà. Si je me mets comme ça et que je me mets là, ça devrait le faire. Yep. Bon, ben voilà, on va rester sur le dessus de la chaise. Le téléphone au sol. Voilà, comme ça, je peux voir les messages. Oh, la configuration à 3 francs, quoi. Bon, j'avais dit je vais aller dans un relais. Ah bah de toute façon j'y suis en cours. Hop là. Ouais, c'est sûr qu'on voit un peu mieux, ouais. Mais j'ai un très mauvais éclairage, ce qui est un peu chiant, sinon il me faudrait une grosse lampe. Mais bon. Je vais pouvoir enfin déposer Epona, ça je suis content. Par contre, j'ai même pas testé si la manette pro fonctionnait, comme ça j'aurais pu plus utiliser la manette. Bon, je verrai après. Alors, on va déposer Epona. Où est l'entrée? L'entrée est juste là. Hop, Epona, let's go. S'il te plaît. Oui. Affection maximum, vigueur 4 étoiles, docile, ouais, il est tout à fond.
Merci beaucoup, nous demandons une petite participation pour nos frais. Moi, c'est 20 rubis normalement. Voilà, je paye. Pour que ce cheval devienne ta monture, tu dois lui donner un nom. Attends une seconde. Mais c'est Epona, la jument légendaire. Elle a déjà un nom, il faudrait peut-être mieux que tu lui laisses. Qu'en dis-tu? On garde Epona. Bien sûr. Et voilà, ta monture est enregistrée. Est-ce que tu veux partir avec? Oui, je la prends. Très bien, nous veillerons sur Storm en ton absence. Bah Storm, tu peux le laisser à l'écurie, je m'en fous. Maintenant que j'ai Epona. Ah, je suis trop content. Est-ce que je peux prendre une photo? Ah oui, c'est vrai que je peux prendre une photo, j'ai l'appareil photo exprès. Et voilà. D'ailleurs, je sais même pas si je peux récupérer les photos. L'entrée est écrite dans l'encyclopédie. Cheval. Ok. D'accord, bon. Ma foi. Et ouais, j'ai enfin Epona. Alors, attends, j'ai peut-être des messages. Non, pas spécialement. Bon. Ah oui, j'avais dit, est-ce que je peux utiliser la manette pro? Alors, grande question. Je vais la sortir. Parce qu'au moins, ça m'évitera d'utiliser la tablette, parce que j'en ai un peu marre d'avoir le gros truc. Ce serait bien si je peux. Ah, bah ça, c'est nickel. Je peux jouer avec la manette pro. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Alors, je peux l'éteindre, normalement. Bon, je laisse la tablette, hein, je joue avec la manette. Ce sera un peu mieux. Un peu mieux et un peu plus pratique. Donc voilà, au moins je jouerai avec la manette pro. Qui est juste là. J'en ai un peu marre de la tablette, c'était un peu chiant. Par contre, faudrait que je me rappelle pour les touches parce que j'étais un peu perdu. Donc c'est... Ok, pour le combat. Tac, esquiver, donc c'est bon. Voilà, c'est bon. Allez, on va reprendre, on va aller voir Impa. Donc, il faut que j'aille au village Cocorico. Merde. Sanctuaire, pont de Cocorico, village. Enfin, de toute façon, je peux accéder que ici. Se téléportant. Alors, le chemin pour aller chez Impa, donc je suis la route qui est là. Alors, si j'appelle Epona, est-ce que ça a marché comme ça? Epona ne vous a pas entendu. Ah, merde. Et si je siffle là? D'accord, bon, merde. Emmener un cheval. Ouais, Epona. Oui. Oui, je vais Epona, maintenant que j'ai ma fidèle jument. D'ailleurs, en règle générale, il vaut mieux adopter le galop qu'au milieu de vastes espaces dégagés. Non. C'est vrai? Bon, bah c'est parti. Allez, c'est parti. On va revoir Impa. Par contre, ouais, faut que je continue tout droit, là, il y a le pont. Là, je suis content de l'avoir eu à nouveau, Epona. Je suis super content. Oh. Bon, il manquerait plus que la tenue complète de Link de Twilight Princess et c'est parfait. Voilà. Ah, mais sur le chemin, je vais pouvoir recroiser Noia, là. L'espèce de petite plante de Wind Waker. C'est cool.
Comme ça, il va pouvoir augmenter mes compartiments de d'armes ou boucliers autres. Enfin, c'est moi qui vais choisir. Je crois que j'ai 3 noix en plus. Je vais m'arrêter, tiens. Voilà. Youpi, tu veux que j'attaque en gris ta sacoche, tu as d'autres noix que Rogo, parfait, alors quel compartiment veux-tu? Je veux bien celui des boucliers, s'il te plaît. Bon, je passe la danse, ça ne sert à rien. Alors, voilà, moi ça en fait 5. J'agrandis le compartiment des boucliers. Il est déjà si tard, si je rentre pas vite, Pépé va me gronder. Sniff, désolé petite noisette, je dois rentrer chez moi. J'ai encore besoin de tout plein de noix Korogo. Si tu en trouves d'autres, viens me voir dans la forêt Korogo. La forêt Korogo, je dirais que c'est au nord. Pépé dit que quand on est perdu, il suffit de remonter Lilia vers le nord. Alors c'est sûrement au nord. Youpi, on parle encore, petite noisette. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors par contre, je sais pas pour les arcs, j'ai droit à combien de compartiments. Peut-être 5. Apparemment. Ouais. Bah, niveau des armes, ouais, ça va à peu près. Bon. Let's go. Let's go, des 12 vis. On va voir Imp. Il faudrait que j'aille avoir aussi une statuette pour prier et gagner un cœur supplémentaire parce que j'en ai pas des masses. Comment ça que tu es à proximité avec ce bruit? Bip bip! Bip bip! Stressant ça quand même, je pense à faire le sanctuaire qui est dans les alentours. Elle veut pas accélérer quand elle est en ville, d'accord. Impa. Ah, c'est vrai que j'ai eu le... comment ça s'appelle? Le petit minerai pour les vêtements. Attends, je vais aller voir. Ou est-ce que c'est dans une certaine ville? Je sais pas. Je vais parler au PNJ du magasin. C'est la tenue que j'ai déjà, la Ilienne. 500 rubis pour ça, mon dieu. Ilienne, si tu as soif d'élégance, ne cherche pas plus loin. Achète-moi un truc. Qu'est-ce que tu veux me vendre? Non, c'est pas un diamant brut que je veux. C'est pas un cœur antique non plus. Voilà, c'est ça. 70 gemmes d'ox. Bon. Non, c'est bon. Reviens quand tu veux, examiner. Non, pas la peine. Ce n'est pas la peine. Bon, retourne voir Inpa. C'est moi, je suis rentré. Maintenant que tu t'es plongé dans les souvenirs de la princesse, tu dois avoir retrouvé certains des tiens. Autant te remettre ceci tout de suite avant que je ne l'oublie. La tenue du prodige. Seuls les 5 prodiges reconnus autrefois pour leur valeur par la famille royale pouvaient porter ce vêtement. Ils possèdent le pouvoir d'analyser les capacités ennemies. Ces vêtements t'appartiennent, c'est la princesse qui me les a confiés. Ils ont été confectionnés pour toi lorsque tu étais reconnu comme l'un des prodiges. Prends-en grand soin. D'accord. D'accord, donc en fait j'ai le fameux torse qu'il avait à l'époque. Enfin, pas à l'époque, avant qu'il soit endormi. D'accord. Bah bon, je préfère celle-là, moi. Mais bon, vu que ça permet d'analyser les ennemis,
On va s'équiper de la tenue habituelle. Et maintenant, qu'est-ce que je... Ah merde, j'ai pas oublié. J'ai oublié de lui parler. Quel imbécile. Alors... Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tu t'es déjà mesuré à Ganon et tu as perdu. Cette fois-ci, tu dois être parfaitement préparé. Ces créatures. Les quatre créatures divines, les antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Seuls quatre prodiges pouvaient les contrôler, tous ont été terrassés par le fléau Ganon. Daruk, de la tribu Goron, contrôlait la créature divine Varudania. Revali, de la tribu Piaf, contrôlait la créature divine Vamedo. Mipha, de la tribu Zora, contrôlait la créature divine Varuta. Urbosa, de la tribu Gerudo, contrôlait la créature divine Vannaboris. Ce serait pure folie de faire face à Ganon sans le pouvoir des créatures divines. Mais Ganon s'est emparé d'elle il y a 100 ans, tu n'as d'autre choix. Tu n'as d'autre choix que de les récupérer. Les quatre tribus seront t'y aider. Pour les trouver, il faudra apporter les différentes régions d'Hyrule. Non, c'est vrai? Oh là 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 là. La tablette de Sheikah te montrera le chemin, va rendre visite au chef de chaque village qu'elle t'indique. Bon, c'est loin. Ça va être très très loin. Il y a 10 000 ans. Tu veux que je te répète cette histoire? Très bien, si cela peut t'aider, je suis prête à faire le perroquet autant qu'il le faudra. Ah mais non, 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 non. Et... Non, 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 blablabla, je m'en fous. Je pensais qu'elle m'aurait dit d'autres choses, mais bon, voilà quoi. Oui, 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 blablabla, blablabla, blablabla. Et mes souvenirs. Les souvenirs de la princesse Zelda sont aussi les tiens. Si tu te rends aux endroits présentés sur les photos qu'elle a prises, ça pourrait raviver ta mémoire. Reviens me voir quand tu les auras tous trouvés. Ok, bon bah ciao. Bon bah voilà, ma quête... la suite du jeu, bah il va falloir que j'aille... Que j'aille à ces quatre endroits qui sont un peu trop loin. Mon... Attends, voilà là. Ouais, j'ai l'impression d'être transporté dans le passé. Link, la princesse, tu dois aller sauver la princesse Zelda. Non, c'est vrai. Ouais, comme je disais, donc voilà, maintenant sur la tablette Sheikah, ben maintenant j'ai mes zones où je dois y aller, hein, donc les quatre petits points. Mais bon, je pense que je vais faire des petits détours par-ci par-là, notamment en termes de quête annexe. Alors par contre, un truc, c'est que je devrais aller... Je vais aller à un des temples pour prier, pour avoir un cœur en plus, parce que je pense que je vais rencontrer des ennemis encore beaucoup plus coriaces. Et j'ai pas envie, quoi. Ah, désolé, appel.
Voilà, désolé, re, petit léger contre-temps. Hop, là. On reprend le jeu. Désolé, désolé. Alors. Ouais, bon, j'avais dit je l'ai au rythme du temple du temps, donc c'est. Tout droit. J'ai oublié qu'il y avait la machine qui est une piste. Ah, d'accord, je crois carrément les PV. Intéressant. Non mais je suis plus là. Et non, tu m'as pas eu. Et merde. Et ramasse. Si je te vide l'œil. Alors moi il est perturbé. Et si j'avais à le tuer, ce serait cool. Ah oh, merde. Et bon bah j'ai toutes mes armes qui se brisent, c'est cool. Laisse-moi tranquille. Coucou. Allez tiens. Oh mais il est mort. Boum. Qu'est-ce que je vais gagner pour avoir cassé une tourelle comme ça? Bah des pièces antiques. Un arbre antique, ok. Des ressorts. Bon c'est cool ça, faudra que je les ramène à la... Comment ça s'appelle? La fameuse scientifique que j'avais rencontrée auparavant. Bon c'est cool, ça m'a fait des pièces. Par contre ici il n'y avait pas un coffre ou une connerie. Quand même pour des petites ruines, il y aura quelque chose, non? Alors, on me demande qu'est-ce que je stream. Je stream du Zelda, mon cher monsieur. Hop. Hop, allez, c'est reparti. Le ruin du temple du town, ils sont là-bas. Ouais, je prends un peu l'accent un peu angry, mais bon. Enfin bref. Alors par contre, je sais pas quelle zone je vais commencer à explorer pour la trame. Parce que quand même c'est... la carte est quand même assez grande. Peut-être que je vais commencer par cette zone, tiens. Au moins ce sera plus rapide si je fais ça. Avec la tenue de... Ouais, je pourrais faire ça à la rigueur. Je vais commencer par celui qui est en bas à gauche. En bas à gauche, comment ce sera le plus simple. Je suppose qu'il n'y a pas Epona. Raté. Bon bah tant pis. Oh il est là à pied. Tant pis, tant pis. Non, je voulais pas taper. La statuette normale se trouve à gauche. Voilà, c'est celle-là. Tac. Alors, je prie. Je veux un cœur en plus, tiens. Voilà, comme ça, ça passe à cœur. Oh, oui, très bien, je vais t'offrir ce que tu désires.
Et hop, un réceptacle en plus. Ouais. Et de 5. Va et ramène la paix en Hyrule. T'inquiète pas, je vais le faire. Bon, cette fois-ci, j'avais dit que je vais commencer par celui-ci de points. Donc, direction ce sanctuaire. Il faudra, je pense, à mettre la tenue de résistance au froid aussi. Ça pourrait pas mal m'aider. La masse corporelle importante de ces carnivores exclusifs leur impose un régime journalier composé d'immenses quantités de viande et de poisson. D'accord. D'accord. Bah, va pour les mobines. Ok, je vais check ça. Ok, ça marche. Ça marche. Par contre, ouais, je suis en hiver, il fait froid. Voilà, tenue de résistance au givre. Enfin, au froid plutôt. Parce que j'ai l'impression d'être dans WoW ou autre. Donc, il faut que je me jette depuis... Oh, mais c'est un immense désert en fait. Alors, je vais faire ça. Tac. Voilà. Donc, eh ben allez, c'est parti, Géronimo. Ouais. Oh putain, j'ai eu du cul. Et hop là. Donc voilà, je suis dans la zone en question. Ok, il y a des ennemis particuliers, non? Oui. Non, on dirait un immense désert. S'il y a des moblins, mais bon. Je m'en fiche. Il y a une maison. Un sanctuaire à proximité. Bouclier rouillé. Ouais, bah, va pour. Ouais, bah, écoute, va pour le porter. Au moins, ça me permettra de préserver les autres. Oh là-bas, un mur qui est cassable. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, il y a des rochers, ok. D'accord. Rien d'autre, je peux pas pousser. Ah si, je peux pousser. Non, arrête de grimper, je veux pousser, j'ai dit. Bah alors, pousse! Bah c'est fort ou quoi? Non. Ah, ça y est. Peut-être que... Non. Ah, il y a un coffre. Et non, il tombe. Ah, je l'ouvre, putain. Oh, cette manière d'ouvrir un coffre. Topaz brut, précieux minerai d'Hyrule d'une grande valeur marchande à améliorer la puissance de l'électricité. D'accord. C'est bon. Et est-ce qu'il y a d'autres coffres dans les alentours? Non, j'en ai pas l'impression. Non, ça a pété, attention. Non, ça fait pas grand chose la bombe. Je pensais que ça casserait des rochers ou les faire déplacer, mais... Non, il n'y a pas une grosse physique. Tant pis. Le sanctuaire, comme d'habitude. Hop. Alors, où es-tu, fameux sanctuaire? Parce que si tu me bip bip, c'est que tu dois être pas très loin. Voilà. Je dois m'éloigner. Il doit être vers là-bas. Vers là-bas, un truc comme ça en fait. Bon. Il n'y a pas une tour d'observation pour que je puisse avoir une. Je sais pas, un plan de la carte quelque part. Et par contre, je peux enlever la tenue. Je vois pas pourquoi je la garde vu qu'il n'y a plus de froid ou autre. Je suis bête.
Suis-je bête? Wesh, salut Manu! Wesh, wesh, bien, y va la famille ou quoi? Ah mon dieu, en foudre! Allez, regarde là. Elle électrique. Oh là, gros mur, merde. Il y a du chemin à faire là. En plus, je peux pas grimper comme un fifou. À moins que si je grimpe là, que je monte. Je vais ici. Ça me fait tout un détour. Bon, on va faire de l'exploration. Je suis là pour. Je suis là pour faire de l'exploration, mon cher monsieur. Oh, je vais le dégommer. Lui. Le respect, il est parti. Il vient de te battre. Oh ! Allez, couché. Ouch. Il m'a foutu un sale coup, l'enfoiré. Hey ! Ah, bon, je récupère ça, la lance à pointe. Je vais m'en servir, tiens. Tiens, dégage. Bon, ça c'est fait. Oh putain. Non. Non, je peux aller chercher le contact là, laisse-moi tranquille. Oh d'accord. J'ai lancé un peu comme un gros caca. Hein. Par contre. Est-ce que ça je peux le dégommer? Non. Tais-toi. Méchant bois, c'est tout? Bon, on va grimper. Normalement, je devrais grimper ça facilement. Nickel. Par contre, l'autre, je devrais avoir des doutes sur la hauteur. Mince. Non, je suis pas sur 6, monsieur. Moi, je suis sur Zelda. Voilà, alors putain, encore ce fameux sanctuaire bibib là. Ah, il est là-bas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Oh. Yeah. Non, malheureusement, je n'ai pas l'avoine. Hop, il y a des monstres cheatés qui font trop mal. Ouais, c'est pour ça que les gros moblins squelettiques, j'évite le contact parce qu'avec leur grosse arme, ça one shot, donc je vais éviter. Hein. En fait, Manu, regarde. Hop là, elle est là. Tenue du crépuscule, la fameuse tenue de Link. Ça y est, je l'ai. Depuis hier, en fait. Bon, après, j'ai récupéré celle qu'on voit dans les souvenirs de Link, là, la fameuse tenue bleue, mais bon. Je préfère garder la tenue bien verte. De notre cher Link, bon. Sanctuaire, je verrai plus tard, par contre. J'en avance un peu sur l'histoire. Quand même. Ouais, lulz. Et j'ai rechopé Epona à nouveau, alors, avec l'amiibo. Et cette fois-ci, je l'ai enregistré, j'ai évité de faire le con. Allez, grimpe. Merde, c'est vrai qu'il est fatigué, je suis bête. Hop là, donc je suis en haut. Pourquoi il a sorti son arme? J'ai pas demandé de dégainer. Alors il y avait un pont, ouais voilà, le fameux pont qui est là. Si je peux arriver à grimper tout en haut ici, ce serait bien. Alors. Mmh.
avec l'amiibo Link de Smash Bros. Celui-ci. J'espère que tu verras peut-être quelque chose. J'ai pris un peu de lumière. Voilà, avec celui-ci. L'amiibo Link Smash Bros. Voilà, c'est avec celui-ci que j'ai eu la tenue du crépuscule et Epona. Que cette fois-ci j'ai pensé enregistrer. Mais il faudrait que je la fasse sortir pour. Ah mais je l'ai pas moi. Ah, toi t'as celui de Link avec le sur le dos d'un canasson classique. Oh merde, comment je vais faire là? Oh merde. J'espère qu'il y a un endroit plat où je peux grimper. Ah bah ça. Oh parfait. L'escalade de l'extrême quoi. Mec c'est Spider-Man, ça grippe à toute surface quoi. Voilà. Donc il faut que j'aille de l'autre côté. Mais est-ce que le chemin suit? Voilà. Bon, on va continuer sur ce fameux pont. Alors ben, je crois qu'il doit coûter pas trop cher celui-ci, le Smash Bros. Enfin, faut pas voir sur Amazon ou peut-être si tu arrives à le trouver. Bon, c'est vrai que ce serait un peu cher à Escromania ou autre, mais je crois que tu peux peut-être l'en tirer pour 14€, un truc comme ça. Ce fameux amiibo. Merde. Ah, mais merde, où je peux aller maintenant? Parce qu'à part là, le sanctuaire qui est là. On va le baliser, tiens. Ah, je vais essayer de voir si je peux pas grimper ailleurs. Ouais, obligé d'avoir ce Link si tu veux soit la tenue du crépuscule ou Epona. Et Epona en stat, elle a 4 de partout, affinité maximum. Tu peux galoper, enfin tu peux la faire sprinter 4 fois. Non, 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 non. Oh le con. Oh, je suis tombé. Et merde. Bon. Ouais, je sais, je sais. Mais d'ailleurs, j'ai testé mes deux nouveaux amiibo là, le Link Cartoon et The Wind Waker avec la baguette du vent et la Zelda aussi. Avec le Link Cartoon, j'ai eu... Ah putain, je me rappelle même plus. Qu'est-ce que j'ai eu? Oh, je sais même plus. Je sais même plus ce que j'ai eu. Avec Zelda, j'ai eu ça. Non, pas le top. Voilà, j'ai eu ça. J'ai eu une gemme Nox avec la Zelda de Wind Waker. Et avec Link, je sais même plus ce que j'ai eu. Putain de merde. Ah oui, 5 flèches de feu. Voilà. Ouais, mais j'ai un peu oublié. Mais voilà quoi. J'ai un peu oublié. Mais bon, sur le coup, voilà, ça fait un peu plaisir de retrouver Epona, quoi. Et, ouais, Epona, dès que tu l'enregistrais dans ton relais, après, bah, c'est pépère, quoi. Bon, voilà, j'ai regrimpé. Bon, cette fois-ci, il faut que je fasse le con. Voilà. Ouais, Epona, en fait, tu la chopes, tu l'amènes vite fait à ton relais, tu l'enregistres. Et tu sais que normalement quand tu enregistres ton canasson, le mec te demande 20€ pour avoir la selle, etc. Et il te dit, voulez-vous renommer le cheval? Et d'un coup il te dit, mais je reconnais ce canasson, c'est Epona, la jument légendaire. Pas besoin de renommer ce cheval, mais veux-tu quand même le faire? Et toi tu dis oui ou non, c'est à toi de voir. Une autre coco dans une caisse, d'accord. Donc après c'est à toi de voir si tu dis oui ou non. Ouais, c'est quoi l'échelle ça? Non, moi je veux monter moi. Je suis en train de faire un de ces détours en mode giver, je crois. Et encore. Je sais même pas si je vais dans. Je sais même pas si je suis sur le bon chemin quoi. Non mais pose-toi, je m'en fous. D'accord.
bon bah il y a que des noix de coco dans les caisses, hein. Moi je m'en fous, hein. Je suis pas là pour manger ça. Alors, continue le chemin. Je crois que je suis en train de m'écarter du... Ouais, je suis en train de faire le tour de la zone, quoi. Encore, j'ai même pas trouvé un seul poste pour la carte, là. C'est un peu relou. Ouais, peut-être que je vais trouver à force. Là-bas, c'est quoi, des minerais, je suppose. Ouais, c'est des minerais. Ouais, je verrai plus tard. Ah, je peux peut-être arriver à grimper là-haut. Qui sait ? Qui sait que je peux arriver à grimper ? La distance, ouais, ça devrait peut-être le faire. Ou si je trouve un autre point pour grimper plus haut. Là, par contre, là, si je tombe, comment j'aurai les boules. En tout cas, ça grimpe ce truc. Je sais pas qui c'est qui a construit tout ça, mais c'est cool. Hein. C'est cool d'avoir fait tout ce chemin, quoi. Voilà. Hop, hop. D'accord. Ouais, c'est plutôt joli la vue. J'avoue que c'est plutôt cool. Bon, bah, retour en marche arrière. Donc je suis où? Ici, ok. C'est-à-dire que je suis monté tout en haut. Il y a des lézards avec un coffre. Bon, allez, on va se fighter un peu. Alors, c'est bon. Ah voilà, je me disais bien qu'il y avait un autre qui voulait me taper. Allez, tiens. Tu. Enfin, je dirais Bayonetta le truc. Oh là là là. Non. Boomerang, les ailes robustes. Cette épée à deux lames qui revient vers son lanceur, plus redoutable encore que le boomerang les ailes, est particulièrement appréciée des les alphos bleus. D'accord. D'accord. Donc des les alphos, une griffe et une corne. D'accord. Oula. Ah, il a un bouclier plutôt stylé, monsieur. D'accord. Pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Get wrecked. Ok. Ok, bon, je me suis fait get wrecked. Ça, c'est cool. Hein. Bon, ben, merde. Hein. À moins que si je fais ma grosse pupute. Si je fais ça, que je balance... J'attends qu'ils viennent et je vais tout péter à la Michael Bay. Banzai! Ah mais aussi je me fight et j'ai que deux cœurs. C'est pour ça que je me fais casser le cul. Merde. Non, les gros plans, on va les attendre pour autre chose. Qu'est-ce que j'ai? Moi j'avais de la venaison. Et une pomme, je devrais en avoir une. Voilà, moi je suis full vie. Allez, c'est parti. Ta. Oh non. Oh la haine. On va prendre la serpe. Allez, tiens. Bah alors. Putain, c'est chiant, ça se brise à chaque fois que je rate un coup. J'ai pas le droit à l'erreur. Tiens. Alors, tiens, on va sortir ça. Vas-y, viens te battre. Bon, on prend les mêmes objets, la corne, la griffe. Allez, viens. Ah, bien, tu me l'as brisé. Bien joué, petit. Allez.
Allez, viens. Allez, tiens, bim. Ah bah salut. Il s'est sauté ou pas? Bon bah ok. Suicide, si tu veux. Bon ça, les flèches j'ai quoi? Vas-y, viens. Moi je t'ai visé. Putain de merde. Allez, viens. Allez, viens de battre, viens de battre, viens, viens, viens. Viens, j'ai pas peur. Tiens, tiens, crève, j'espère. Ah, bien, tu l'as fait tomber. Oh, 36 d'attaque. Pas mal. Oh, pas mal. 35 de défense, le bouclier, con. Putain, il donne du bon stuff, les enfoirés. Ah, j'avoue. Putain, très bon. Très très bon. Putain. Sinon, moi, je suis jamais tranquille. Je m'en fous de ça. Donc, il m'en reste un pauvre petit archer de merde. Hop, on va prendre les flèches en bois. Et... tiens, bim. T'apprends, moi. Ah, c'est bien. Ça. Mais aussi, c'est un archer. Raté. Là, je me protège. Tiens, prends ça dans ta gueule. Et dégage. Arc lézard robuste à 25 d'attaque. Ok, pas mal. Ah, j'ai plus de place. Merde. On va aller coucher. J'ai plus de place pour l'arc. Donc, il faut que j'en jette un. Eh ben, on va jeter celui-là. Et j'ai le coffre d'accessible. Cool! Alors, oh, putain, je suis jamais tranquille, c'est un truc de fou. Moi, je commence à croire que je suis vraiment très demandé, c'est relou. Très relou, relou, relou. Allez, reconnexion. Oh! Bah alors, putain, je vois même plus le... T'es un Twitch sous Android, ça marche jamais. Ça me fatigue. Allez! Bon, génial pub. Bon, tant pis. Allez, on continue. Merde, saute. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le coffre? Un arc de chevalier. Je l'ai déjà. Ah, mais attends. Non! Putain. Ouais, je l'ai déjà à 32. C'est une version au-dessus. Bon, faut que je jette un arc. Jeter celui-ci, on va s'équiper de lui et on va reprendre celui-ci. Ouh, on va y arriver. Voilà, bon, ça m'en fait mon deuxième. Et j'avais laissé deux flèches ici. Flèche en bois, flèche en bois. Nickel. Niveau arme, bah, on va pas.
téléporter là où. Bouclier, c'est bon, je suis ok. Bon, bah, je peux enfin y aller à ce putain de point. Si j'y arrive un jour. Bon, bah, let's go. C'est déjà 21h20. Le temps passe vite. Oh, une tour d'observation. Oh, faut que j'y aille. Bon, moi, j'aurai les alentours de la carte. Et ça, ce sera plutôt cool. Mais est-ce que je vais avoir assez d'endu pour grimper? Ah, bah, ça va, il y a une échelle là-bas. Tant mieux. Tant mieux, il y aura une échelle. Voilà. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est ces petits... Enfin, pas cabanes, mais ces petits points, en fait. Parce qu'il y a des... sortes d'embarcadères, on dirait comme une sorte de zeppelin, comme d'en haut, mais... Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que j'aurai un truc plus tard, plus j'avancerai l'histoire, peut-être que je débloquerai des choses, je sais pas. C'est bizarre. Enfin bref. Direction le fameux point d'observation. Électrique, lui. Bonjour. Oh non. Mais c'est de la triche, ça. Oh non! C'est quoi ces one shots? Ah, maintenant ils le mettent jeune parce que je me suis mort par la foudre. Allez. Il vaut m'éviter les attaques frontales quand vous manquez de cœur et que votre niveau de défense est faible. Non, c'est vrai? Bon, bah lui je vais esquiver. Hein. À moins que si je me mets en mode silencieux. Alors si je me mets en silencieux, je me mets en mode gros connard alors. Voilà. Ah, ça va quoi, pas me pour un con non plus. Hein. Que jeune, ok. Griffe et corne, ok. Ah, je vais bien être bien mignon, c'est mille, mais après voilà quoi. Je dis pas qu'elle va s'activer celle-là aussi, non? Ça va. Oh, c'est une fée? Ah non, je te veux. Viens là! Ah non! Ah non, l'arnaque, il y avait une fée, je la voulais. Il y a des trous. On dirait Tanaris dans... On dirait les Tanaris de World of Warcraft, quoi, avec un peu de savane, de l'eau, un peu partout. Par contre, ma tour d'observation, elle est là. Là j'ai du chemin à faire. J'ai beaucoup de chemin à faire. Manger une pomme. Dans un élan de fou, non?
Ouf! De justesse! J'ai eu du cul. Allez, c'est reparti. Ah, des fois c'est temps d'accès, hein. Quand on défend, on n'a pas l'endurance nécessaire. Bon, du coup, j'aurais peut-être essayé de prendre de l'endurance supplémentaire la prochaine fois avec mes autres marques de. Les autres emblèmes de victoire, mais bon, je préfère plus prendre les cœurs. C'est mieux, pour moi. J'aurais pas dû sauter. Ouais, j'aurais pas dû sauter. Quoique. Il a, ça grippe à tout, lui. Putain, c'est un truc de fou. Ah bah nickel, je suis tout en haut. Nickel. Oula. Pourquoi je m'enfonce, là? Ah, parce que c'est boueux. Ah, d'accord. Parce que c'est tout boueux, bah, faut que j'ai... Est-ce qu'avec Cryonis, je peux créer un chemin? Bien sûr. Non, non! Allez, blorf! Et merde. Et merde, et merde, et merde. Bon, bah. Déjà, je peux pas utiliser mon châle parce que. Enfin, le paraval plutôt. Parce que ça m'a fait dégager. Non, j'arriverai pas jusqu'en haut, je crois. Ah, c'est chiant. Alors, si j'arrive à peut-être à me mettre là. Avant que je me casse la gueule. Parce que je sais qu'il va tomber. Ouais, bon. Non, donc faut pas que je saute à partir d'ici. À partir de là-bas. Non, mais putain, je suis monté dessus. Ah, ça me fatigue. Allez, mange, 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 mange. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est cool. Mais... Je vais y arriver. Je suis comme un pied ce soir. C'est chiant que 50 000 chemins avec la glace là.
Par contre, est-ce que je peux grimper là-dessus? Ça, c'est une question, ça. Des fois, si je me recasse la gueule, tant pis. Hop, ouais, je peux grimper. Ça, c'est cool. Voilà. Allez, au moins si je pars d'ici de ce point-là, moi j'aurai mes zones de repos pour l'endurance. Au moins, ce sera cool de le faire. Et théoriquement, j'aurai droit accès à la carte de la zone. Bon, ben, let's go. Voilà. Allez hop, grimpe Link, grimpe, grimpe, grimpe. Yeah, cool. Alors, acquisition des données en cours, je suppose. Hop. Tabichi qui a reconnu, activation. Moi, ça me fera un autre point de téléportation. Pour moi, ça c'est cool. Alors. Acquisition des données locales. Je suis où alors? La carte de la zone a été enregistrée. Ok. Ah, il a froid. Il a froid. Donc en fait, la nuit il gèle. Ok, donc enfin, je t'en ai tenu. Sinon, je suis où? Dans le désert Gerudo. D'accord. Friche d'Esper, région Gerudo. Vallée de Yarna. Plateau de Stalric. D'accord, donc je suis bien dans la vallée Gerudo. D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais, je peux au moins essayer de tricher, parce que là, il n'y a qu'une route. Ouais, je peux essayer de tricher, on va voir comment je vais me démerder. Attends. Ah, je crois que c'était un sanctuaire. Parce que là, il est là-bas, le truc. Non. Attends, il est où mon curseur? Non, donc c'est celui-ci. Donc voilà, c'est celui-ci où je dois y aller. Ok. Non, tu me fous la paix, toi. Salut. Allez, c'est parti. C'est ça, la machine? Oh, connasse. On dirait un dromadaire géant, le truc. Oh, con. Et hop là. Il y a même un petit sanctuaire à proximité. Je vais y aller. Et aller comme ça, ça me permettra de gagner une marque en plus. Voilà. Non, non, mais les gars, sympa, cool. Non, 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 non. YOLO.
bah quand même, ça l'a mâché l'autre, le gros. L'enfoiré. Au moins, c'est bien, il y a un truc que j'avais pas remarqué, c'est que quand on est en santé rouge, il n'y a plus le fameux bruit des, de la santé base de ligne, que ça fait tilit, tilit. Un feu allumé dans de l'herbe sèche se propage très vite. Oui, c'est ce qu'on appelle un incendie aussi. Dans les deux cas. Enfin, voilà. Alors, pouvoir de l'électricité. Ok. D'accord. D'accord, pourquoi pas. Alors, par contre, je vais manger un truc. Genre, il faut une clé. Alors, attends. Je vais la poser. Au lieu d'esquiver, je saute en plein dedans. Ouais, très intelligent. Une vis. Ouais, donc au final, j'aurais pas dû toucher l'autre boule aussi. Oui, j'ai eu chaud, t'as raison. J'ai eu très chaud. Mais c'est marrant que je vois un donjon comme ça. Ça change un peu, là, une sorte un peu phase énigme où je dois soulever des sphères et tout. C'est un peu marrant. Ok. Hop. Ah, un coffre. Cool. Ah, mais je pense que c'est pour la clé pour déverrouiller la porte. Petite clé. C'est ça. Ah, ça manquait un peu ces items. Petite clé, clé du boss. Ça date un peu. Bon, on continue à manger histoire que je puisse repartir full. Voilà, voilà, au moins je repars avec à peu près 4 coeurs, 3 quarts. À peu près. Ah, par contre, c'est là faut que je fasse gaffe. Putain. Ça brise trop facilement ces armes, c'est chiant. Allez, couchez lui. L'épée du gardien, une vis antique. Voilà. Prendre l'épée du gardien, être stylé. Bon, mis à part ça, ennemi vaincu, on continue, ok, ça s'est électrisé avec l'eau. Ah bah ça, je vais prendre, comment ça s'appelle, Polaris. Après que j'emmène le cube avec, ouais. En fait, attends, c'est comment il défait le truc? Ouais, les deux sont polarisés avec l'électricité qui est là. Mais alors, ouais, bon, ouais, bah, c'était juste ok. Bon, il y avait que ça à faire. Bon, ouais. Ok, et si je le bouge un peu, il devrait être bon. Tac. Si je le mets là. Voilà. C'est tout.
Pas d'autre coffre, rien du tout. Bon bah tant pis. Bon bah... On va sauter blabla comme d'habitude. Hein. Bravo, t'es trop fort. Tiens, je te donne l'emblème. Bisous. Allez. Oh, elle est trop fort. Allez. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Alors, essayez de créer un lien d'affection avec un chien lui donnant à manger. Vous pourrez en tirer un bénéfice inattendu. D'accord. Pourquoi pas. Ouais. Bon, on va continuer la route alors. Bon, je suis un peu dégoûté que je peux pas utiliser Epona vu qu'il n'y a pas spécialement de relais là où je suis. C'est un peu dommage. C'est un petit truc vert là. Ok, moi bon, je suis dans le désert Gerudo. C'est quoi ce truc vert qui... Boing boing. Bon déjà, vu la gueule, ça a l'air électrique. Ouais, vu la gueule. Ouais. Non, c'est mort. Lui, il va me one-shotter. Ah, mais je te laisse tranquille, t'inquiète. Je te laisse tranquille, les gars. Non mais je vous ai dit, hein, je vous laisse tranquille, hein, moi je fais rien, moi. Je comprends pas. Savota, tu cherches la légendaire chasseuse de trésors, tu l'as trouvée, je suis Rubasque. Cela fait 20 ans que je chasse et j'arrive toujours à obtenir ce que je convoite. C'est bien. Allez, cool ta vie. C'est une espèce de chameau que j'avais vu au loin là. Ouais, ça doit être ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et un des monstres antiques. Enfin, moi j'appelle ça un Megazord à la place. Ça va bien, bien. La puissance, hein. Ouh, la grosse bestiole. Ok, donc c'est ça qu'il faut que je remette dans son état normal. D'accord. Bon. Bon, 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 bon. Oh, oh. Un Gerudo. Bonjour. Rien à signaler. Bazar à sec. Le jeu de mots pourri. Bazar à sec. Je me cache 30 secondes, hein. Allez, c'est reparti. Savota, ici c'est le bazar à sec. La cité Gerudo n'est pas tout près. Les voyageurs qui s'y rendent font souvent étape dans cette oasis. Mais comme l'accès à la cité est interdit j'imagine que ce n'est pas là ta destination. De toute façon, la créature divine fait un tel remue-ménage que le chemin vers la cité est trop dangereux. Ouais, plus tard. Si tu veux pouvoir communiquer avec les Gerudo, il vaudrait mieux apprendre leur dimension de leur langage. Savok, par exemple, veut dire au revoir. D'accord. D'accord, si tu veux. Hey. Et la nourriture, je m'en fiche. Ouah, je commence à être fatigué. Ah, cuisine. Ah, un truc qui brille, c'est quoi? Une louche. D'accord.
Cuisinons, cuisinons. Alors, on va mettre une carpe avec un gland, du miel, de la volaille et de la chuchu, tiens. Voilà. Et on cuisine le tout. Et merde. J'ai fait un plat de merde. Et merde, oui. Bon. Si on fait. Réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire? Réfléchis. Je sais pas. Bon, si je fais ça plus grenouille plus viande plus pomme plus champi-glagla, ça doit être une mixture horrible. C'est bien ce qui me semblait. Bon, ben maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Fuck it. Je sais pas. Alors, on va mettre un cœur avec de la volaille, un champignon, deux champignons différents et des herbes. Chelou le truc. Ouais, je suis cuistot dans l'âme avec un truc tout chelou. Voilà, j'ai fait trois plats de merde. Allez, caca. Trois plats douteux, quoi. Bon, ben, c'est pas aujourd'hui que je ferai de la grande cuisine. Ça va, t'es qui, toi? Tu es un voy, c'est ça. Beaucoup trop gringalé. Écoute pas ce que je dis, je suis cornué de la cité Gerudo. Stupide tradition, si ça tenait qu'à moi. Quelle tradition? C'est pas vraiment tes oignons, Ilien, mais quand une Gerudo atteint à peu près mon âge, les gens de son entourage deviennent super pénibles. Pourquoi ça? Tu ne sais pas? Quand une Gerudo atteint mon âge, la tradition veut qu'elle quitte la cité pour se chercher un mari. On appelle ça la chasse au voy. J'ai même pris des cours de cuisine et de couture. Cliché. Si c'est vraiment ça que les voy attendent d'une veille, misère. Un voy potable, ça existe. Oui, je pense. Je pense que oui, ça devrait exister. Mais bon, ça fait cliché. Parce que nous, on adore les clichés. Ça vote, c'est comme ça qu'on dit, que disent les Gerudo. Bonjour. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Non, sans doute pas. Je viens du village Piaf. Eh oui, le village Piaf. Très loin au nord, il y a un petit village dans les confins de Tabanta. J'ai quitté le village Piaf pour tenter de gagner ma vie ailleurs. Je ne suis pas mécontent de moi. Cependant, la chaleur ici est écrasante pendant la journée. Je m'imagine mal m'aventurer plus avant dans le désert. Pourtant, j'aimerais bien aller voir la cité Gerudo, même si je ne peux pas y entrer. Il paraît qu'avec un insecte très froid et des morceaux de monstre, on peut faire un remède qui protège de la chaleur. Si un tel remède existait, je l'achèterais volontiers. Malheureusement, on n'en trouve pas ici. Incroyable, non? J'en fabriquerai bien moi-même. Mais les insectes froids vivent dans les zones les plus fraîches des hauteurs Gerudo. Or, c'est un endroit plein de monstres. Je ne sais pas comment m'en sortir. Alors, en attendant, je reste ici. D'accord. Il est encore là, Terry. Ça, je suppose que c'est pour l'hôtel.
Bourget, c'est tout, volume 7. Bon, on va le lire. Bourget, chasseuse de rumeurs à travers ses différentes incarnations, à vous les ragots dans cette vie-là. Voilà le scoop du moment. Les secrets de la famille royale d'Hyrule. D'après une rumeur, le château d'Hyrule abriterait plusieurs pièces un peu particulières. La chambre secrète du dernier roi d'Hyrule, le roi Bosphoramus Hyrule. Mais aussi le laboratoire de sa fille, la princesse Zelda. Ces pièces renferment sûrement des secrets de la famille royale inconnus au peuple. Quel mystère, c'est vraiment le genre d'histoire dont je raffole. Malheureusement, ce n'est pas demain que je m'approcherai d'un endroit aussi dangereux. Intérêt 5 étoiles. D'accord. D'accord. Bon, y a rien du tout dans ce village en fait. Hein. À part des gens qui se plaignent, mais bon. C'est tout ce que je vois. Et c'est ça là-bas, la fameuse cité. Oh oh oh, la fameuse cité. Tatala. Ah, tiens, des fruits de cactus. Fruit Volt, d'accord. Elle est là, la machine antique. T'es sérieux, foutez-moi la paix un peu. Alors... Pourquoi ils disent qu'il fait extrêmement chaud ? Ça va encore ? La température que j'ai. Bon, c'est peut-être quand je vais trop m'approcher. Oh, bien! Bien, cet effet de camouflage. Voilà, toi, ça fait. Oh, bien foutu l'effet de camouflage. Bien. Lance les ailes robustes, d'accord. Je suis à ta supportage et tu mets des dégâts. Reste dans la zone. Et merde. Il faut que je me fasse à manger. Il faut que je me fasse un truc résistant à la chaleur. Je sais pas ce que je pourrais avoir. J'ai vu ce géant qui fait ravage dans le désert, j'en ai carrément à la trouille de m'y rendre. J'ai absolument me rapprocher d'une de ces filles de la tribu Kirido. Alors je crois que je vais fermer les yeux et courir jusqu'à la cité. Tiens, tu veux pas m'acheter 2-3 bricoles chez moi? Alors qu'est-ce que tu vends? Ok, bon, ça sert à rien. Non. Non. Pas la peine. Qu'est-ce qu'il m'a venu encore? Bon bah faut avoir Kevin. Salut. Je suis un voyageur. Ok, mais seules les femmes s'autorisent à rentrer. C'est injuste, on a fait tout ce chemin pour rien. Notre chef est allé à la cité Gerudo pour chercher un moyen d'entrée, mais ça fait longtemps qu'il est parti. Ça veut sûrement dire qu'il ne se passe pas bien. Tant pis pour toi. Attends, chef, il a qu'à pas y aller. Bon, bref. Alors, attends, champignon, là. Chaleur du désert, ok. J'ai les armes pareilles. Donc, on va prendre ça.
plus ça, plus ça. Je vais en mettre ça. Et est-ce que j'ai dorade? Yeah! Résistance à la chaleur, niveau 2, pendant 7 minutes. Bon, ça va. Je vais en faire un autre. Ça. Ça, ça. Non. Annuler. On va faire prendre, prendre. Ça. Herbe. Herbe, herbe et viande de volaille. Ah bien. Voilà, pendant 8 minutes. Bon, ça c'est parfait, on mange deux viandes différentes. Peut-être en consommer une troisième, je sais pas. Hop là. Alors, on va manger. Bon, c'est plutôt rapide. Allez. Là pendant 8 minutes. Deux secondes, j'ai un coup de fil à passer, désolé. Et redésolé, hop là, ah merde la manette. Bon. Ah ça c'est longtemps que j'ai pas sauvegardé. Sauvegardons. Qu'est-ce qu'il fout là? Tiens donc, un voyou qui m'aborde, il a pas l'air trop menaçant, c'est sûrement un voyageur. Les Ignans ne restent pas là à marmonner, lol. Ça va. À mon âge, les vailles de la tribu ont l'habitude de quitter assez d'aiguilles d'eau pour se chercher un mari. Et le destin t'a mis sur mon chemin.
Alors veux-tu m'épouser? Je passe. Oh. D'accord. C'est bien foutu les petits effets de floutage. Oh putain, il y a une tour d'observation là-bas. Ouais. J'essaie de m'approcher de plus en plus de la cité. Oh putain, sanctuaire à proximité. Où ça? Je sais pas. Melon glac là. Il est là-bas. Bon, j'y vais. Autant le faire, comme ça je suis tranquille. Tiens, un voyageur. Je vais pas aller l'aborder. Direction le sanctuaire. Sanctuaire de Gukochis, c'est louche. Qu'est-ce qui est louche, mon grand? Oh, voilà un visage inconnu, j'ai peut-être déjà un homme. Tu mates. Mais pas du tout, tu te trompes. Je suis un marchand, je suis même le chef d'une caravane. Nous sommes venus ici de si loin pour finalement nous apercevoir que la cité est interdite aux hommes. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer, nous voilà bien embêtés maintenant. Et donc je n'ai pas le choix. Tu mates, quoi. Non, 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 je mène l'enquête. Virginie, t'es toujours sur le stream? D'ailleurs, j'ai trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour filtrer la cité Gerudo. Quelles infos? Oh. Voilà, ça fait bien une semaine que je suis arrivé ici. Je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'en ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand qui fait la navette entre le bazar Asek et la cité Gerudo. Stop. Alors, je l'attends. D'accord. Alors, ok. 5 de fer, sanctuaire de Gukochis, donc l'électricité, sorte de tonneau. Ok. Ah, d'accord. Et merde. Donc ça c'est... Bon, faut que je prenne ça. Ah, par contre, j'ai plus de santé. Voilà, c'est bon. Ah, d'accord. Mmh.
vérifier encore. Bon, enfin bref. Attends, j'ai un tonneau là. Et comment il veut que je me démerde à mettre toute l'électricité ici? Ça aussi je peux prendre. Ah ouais. Effectivement. Je vois pas là. Parce que j'ai un tonneau. Un tonneau et un cube. J'ai un tonneau et un cube. Je suppose qu'il faut que je garde tous les trucs parce que sinon ça ne marche plus. Voilà, c'est ce que ça me semble. Ah mais merde, je viens de comprendre. Je viens de voir qu'il y a un autre carré ici. D'accord, faut que je déverrouille les autres portes. D'accord, je viens de piger. Enfin bref. Comme ça je peux récupérer le tonneau. Voilà. Et ça. Épée électrique. Ah, bien! Cette épée magique qui aurait été forgée par les éclairs des collines d'Hyrule paralyse ses ennemis quand sa lame brille d'une lueur dorée. Et j'ai plus de place. Bon, qu'est-ce que je peux jeter? Bah ça. Voilà, comme ça je récupère l'épée. Bien. Ah, comment elle est? Oh, stylé! Stylé l'épée. Donc. Mon dieu, je me fais harceler. Tonneau vers
verra après. Ça c'est pas logique. Le coffre, je peux l'embarquer? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Il faut trouver toutes les astuces, hein, con. Ah, mais attends. Ça, j'en ai pas besoin, ça. Ça fournit déjà l'électricité. Oula, 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 oula. Doucement, doucement. Voilà, comme ça j'ai l'autre carré. Voilà, parfait. Hop, lui, je peux le poser là. Voilà, et l'autre, le deuxième, il doit être ici. Donc je dois mettre le deuxième carré de l'autre côté. Alors, ça m'étonne qu'il n'y ait pas un deuxième coffre. On s'entend. Réussi! Donc voilà, ça c'est fait. C'est bizarre, il n'y a pas de deuxième coffre dans les environs. Je sais que normalement, il y a un donjon, j'en ai fait, j'en ai eu 3. Dans celui-ci, il n'y a rien. Bizarre. Bon, tant pis. Voilà, je l'ai eu. Bon, maintenant, on va essayer d'accéder au village. On va passer. Voilà, ça en fait 4, comme ça, je pourrais redemander un cœur supplémentaire. Le jour, la chaleur du désert vous fait perdre des cœurs. Rafraîchissez-vous à l'ombre ou dans l'eau ou utilisez un équipement permettant de résister à la chaleur. Moi, j'ai que celui pour résister au froid, malheureusement. Enfin, au froid basique. Après, je pense que l'aiguille peut pencher beaucoup plus bas, que ce soit à gauche ou à droite, pour des températures un peu plus extrêmes, on va dire. Oh, jolie les runes là-bas. Bon. Non, par contre, ça, cette épée, on va mettre de côté. Voilà. Désolé, mais je ne peux pas te laisser entrer dans la cité Gerudo. La cité a de tout temps été interdite aux Voi. C'est une tradition séculaire que nous respectons scrupuleusement. Si tu as besoin de te réapprovisionner, va plutôt au bazar, l'oasis qui se trouve présenté. Voile. Et non, pas voile, on prononce voy. Il faut bien insister sur le i tréma. Dans ta langue, ça signifie homme, et vaille signifie femme. Facile, n'est-ce pas? Bah, pour un langage Gerudo, oui. J'y vais en mode Splinter Cell, moi. Ah non, elle a raté. Aïe, raté. D'accord, calme-toi. Bon, ben... Fuck. Chelou, ces créatures. Je fais comment pour rentrer, alors? Faut que je fasse comme il avait dit le mec là. Bah ouais, apparemment. Il semblerait qu'un homme se soit infiltré dans la cité Gerudo et qu'il ferait la navette entre le bazar. J'en ai si j'aimerais bien lui demander comment il fait. Ok. Il faut que j'attende vraiment là?
sérieux là? Ma foi, je sais pas quoi faire. Bon bah, quelle heure est-il? 22h20, je suis pas tardé à couper. Ah. Bon. Est-ce qu'il faut que j'attende? Est-ce qu'il faut qu'il passe comme ça? Je sais pas. Bon bah, vu l'heure, je vais pas continuer. Je reprendrai, je pense, jeudi. Jeudi si je peux, ou peut-être demain soir, je sais pas, je vais voir. Je vais voir sur le tas. Écoutez, sur ce, je vous dis à une prochaine. Geekez pas trop. Et peut-être à demain ou après-demain. Et je vous dis bonne soirée. Et c'était Bulkas pour servir. Salut.